la presse régionale, je vous le dis, complète avec Myriam Sora. Bonjour Myriam. Bonjour Johanna. Alors on a vu encore des températures très douces aujourd'hui et on va d'ailleurs de pouvoir profiter de ce beau temps encore jusqu'à la fin de la semaine, mais pas au-delà. Voilà, le beau temps, oui, c'est vrai, mais les températures vont chuter. Vous avez aimé le mois de juillet? Eh bien, la semaine prochaine, ce sera le mois de février. Ah. Bon, ben, on voit la météo complète. Madame, monsieur, bonjour. Alors, encore de très belles périodes d'ensoleillement. Aujourd'hui, on a ce petit vent marin qui va apporter de l'humidité au nord de la Bretagne, le Cotentin et l'extrême nord du pays. Ailleurs, vous le voyez, c'est vraiment le soleil qui va l'emporter dès le lever du jour. Dans l'après-midi, une belle évolution favorable sur les régions du nord, mais toujours cette bise qui va souffler jusqu'à 50-60 km/h sur le nord et de l'évolution diurne dans l'après-midi qui va se développer sur l'ensemble des reliefs avec des passages nuageux et quelques ondées. Alors, les températures pour ce matin, ce sont des températures conforme aux normes de saison et elle s'échelonne de 4 à 15 degrés. Dans l'après-midi, comme nous basculons dans un flux de nord, le thermomètre va baisser par palier. Ça commence d'abord sur les régions du nord où on va retrouver des températures de saison de 9 à 26 degrés. Alors pour la journée de demain, samedi, on va retrouver toujours de très belles périodes d'ensoleillement avec quand même un temps un petit peu plus nébuleux sur le nord du pays, également de l'instabilité sur le sud-est, quelques averses en Corse. Cette bise qui sera toujours très présente. Le thermomètre qui va à nouveau baisser d'un cran sur le nord. Et pour demain, on retrouvera une très belle journée ensoleillée, mais avec des températures toujours en baisse. Très belle journée.